Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Oula. Salut les loups, excusez-moi, j'étais en plein Euro 2021, là, le football. Non, je plaisante, j'en ai plus ou moins rien à carrer, mais bon. Comme tous les Français, dès qu'il y a un match de l'équipe de France, on s'intéresse tous au foot. Voilà, donc comme prévu, le petit jeu concours pour les 500 et les 600 abonnés, comme je vous avais dit. Je fais un petit jeu concours toutes les centaines d'abonnés. Je vais vous présenter tout de suite les lots qu'il y a à gagner. Je vous donne les modalités tout de suite, je vous les répéterai à la fin de la vidéo. Pour participer au jeu concours, il faut donc bien sûr être abonné à la chaîne et laisser en commentaire un petit mot en disant « je participe », hein, évidemment. Et ensuite, vous me direz si vous préférez que je fasse, vu qu'il y a plusieurs leurres à gagner, si je fais un lot pour les 500, un lot pour les 600, ou alors si je fais un seul lot avec un seul gagnant. Je sais pas si vous m'avez suivi. Deux gagnants ou un seul. Ça fait plus de lots, mais bon, quand on est plus nombreux, quand il y a plus de participants, il y a plus de chances de les gagner. Bon. Je vous présente tout de suite le premier lot. Et voilà, le premier lot. Pour ceux qui reconnaissent, vous reconnaissez la marque, il s'agit d'un Fox Rage Pro Shad. Vous savez qu'on peut commander notamment sur pêcheur.com ou alors sur l'heure à l'unité, que je vous encourage à aller voir d'ailleurs. On peut commander des leurres à l'unité. Donc voilà, voici un leurre Fox Rage. Donc celui-ci fait 14 cm, vous voyez, avec un beau coloris là, un petit peu Lemon Tiger, je crois même que c'est son nom en plus. Voilà, donc c'est capable d'attraper toutes sortes de carnassiers, du brochet. Je sais pas si les grosses perches montent sur du 14, c'est possible. Du cendre, éventuellement des gros black bass pour ceux qui pêchent le bass, je sais pas. C'est pas mon cas, j'en ai pas beaucoup dans ma région. Donc voilà, voici le premier leurre, un leurre de chez Fox Rage. Hop, le deuxième leurre, c'est la même chose, un Fox Rage, toujours dans la même taille en 14 cm. Prochad, doué dans un coloris bien différent. Je crois qu'il s'appelle le Supernatural, celui-là, si je me trompe pas. Voilà, super coloris, je le trouve vraiment magnifique. Je pense que ça doit bien marcher quand les brochets sont sur des proies de taille moyenne. Vous voyez, en 14 cm, là, ça va super bien. Fox Rage, hein, c'est toujours assez souple. Franchement, ça nage tout seul. Faut pas ce qu'on peut rajouter de plus. Hein. On adore. On adore. Le troisième, on part chez... Ah, mais on reste chez Fox Rage. Bah oui. Regardez, un petit Fox Rage en taille plus petite. C'est le 10 cm. Toujours le prochain dans 10 cm. Vous voyez, avec une colorie qui s'appelle Silver Blake. Silver Blake, je sais plus le nom. Voilà. Donc là, évidemment, là par contre, on va intéresser les grosses perches. Hein. Les grosses perches, le cendre. Brochet, c'est possible aussi d'en faire, hein, évidemment. Voilà, super, magnifique, toujours en leurre souple à l'unité, hein, vous en aurez un de chaque à chaque fois. J'achète pas de pochette, j'achète en leurre à l'unité pour les tester à chaque fois, j'en suis très content. C'est seulement une fois que j'ai testé les leurres à l'unité, après j'achète une petite pochette. Hein. C'est une technique, bon, une technique comme une autre. Hein. Le quatrième, on augmente de taille. Là, on est sur du 18 cm, du 7 pouces. On est chez Sawamura, un Sawamura One Up. Très connu le One Up de chez Sawamura. Vous voyez, on augmente légèrement la taille hein, par rapport au petit Fox Rage là. Alors ça c'est pareil, hein. Le One Up ça nage tout seul, je pense que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à aller voir des vidéos sur YouTube avec beaucoup de vidéos qui parlent du One Up. Super leurre, un petit peu fragile. Hein, vous voyez, là vous faites attaquer par un brochet, bon, il y a des chances qu'il laisse des traces dedans. Voilà, c'est une gomme super souple. Voilà, je vous mets donc un One Up en 7 pouces. Coloris pareil chartreux, la Lemon Tiger chartreux, formidable. On en mangerait. On continue, cette fois-ci on passe chez CVO. On continue, cette fois-ci on passe chez Savage Gear avec un petit crank. Là c'est le Russian Crank, je crois qu'il s'appelle celui-là. Le Crucian Crank 34, donc 34 mm. Vous voyez, avec une bonne petite bavette. Lui je crois qu'il nage entre 0,80 cm et 1 mètre. Donc ça, c'est le genre de petit leurre qui marche très bien sur la perche, sur le chevesne, sur la truite, sur le black bass évidemment aussi quand ils sont sur les petits cranks, là c'est une tuerie. Voilà, vous voyez, un coloris super sympa, un petit peu doré comme ça là. Ça vient de chez Savage, c'est super sympa. Et pour finir, on va chez la marque Decoy, là avec des petits, vous voyez, des petits rubber jigs là. C'est-à-dire que vous avez une tête plombée, une petite jupe en silicone, un hameçon, vous pouvez rajouter un trailer derrière, donc un petit leurre souple de 2 ou 3 pouces. Évitez de monter au-dessus, hein, parce que là c'est la petite version, c'est la version en 5 grammes. Vous voyez, il s'appelle le Flash Bomb SV40B. Bon, on va l'appeler le Flash Bomb, mais ça, ça marche très bien aussi. Les petits jigs comme ça, les petits rubber jigs là, vous rajoutez un petit trailer, ça marche super bien sur la perche. Franchement, moi j'adore ce genre de petites choses là. Et puis bon, Decoy, ça reste quand même une super marque. Voilà,
Hein, c'est déjà pas mal. Bon, là, on est à 5 et 600 abonnés, donc voilà, c'est des petits cadeaux super sympas. Vous verrez, il y aura des gros cadeaux quand on arrivera à 1000. Si on y arrive aux 1000, je vous garantis qu'on fait une belle festa. Vous venez tous boire un coup à la maison. Ouais. Donc, comme je vous le répète, pour participer, c'est tout simple. Il suffit d'être abonné, de laisser un commentaire, je participe. Et dites-moi donc en commentaire si vous préférez que je fasse deux gagnants différents, donc un gagnant pour les 500, un gagnant pour les 600, ou alors si je fais un seul et même gagnant qui remportera donc tous les lots, sinon je les divise en deux. Voilà, suffit de me dire ça dans les commentaires, je verrai quelle solution remporte le plus de votes, et à ce moment-là je tranche, hein. N'hésitez pas, je vous ai pas dit, vous avez 15 jours pour participer, on est le 3 juin, 15 et 3, 18... Le jeu concours s'arrête donc le 18 juin à minuit. Je donnerai donc la réponse le 19 juin. N'hésitez pas à participer. Je vous encourage également à aller voir ma petite page Instagram. Hein, ça grandit tout doucement. Là, on est à 350 et des bananes en abonnés. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Vous me laissez un petit commentaire sur Instagram. Ça fait toujours plaisir. Et puis bon, je vais pas vous dire que ça vous donne une chance supplémentaire pour le concours. Mais... Non, c'est pas vrai. En plus, c'est des tirages au sort. Mais allez voir quand même. Hein, ça me fait plaisir. J'espère que le début de saison se passe bien pour vous. Moi, je vais vous sortir une petite vidéo là dans la semaine à venir. La semaine prochaine, je pense. Je suis allé faire un petit tour au Salagou. Je suis allé faire un petit tour sur la Dourbie. Ça a été compliqué au niveau du temps. En revanche, j'ai vu des paysages magnifiques. J'ai également fait quelques poissons ici en Auvergne. Je vous mettrai tout ça en vidéo. J'espère que ce concours vous plaît. Et n'hésitez pas donc à participer. Vous avez 15 jours, je le répète. Voilà. C'est tout pour moi. Hein ? Allez, salut les loups ! Ouf. Ouh là là. Oh, j'ai un beau putsch là, hein. Ouh là. Je vais mettre du fond de teint, tiens.